Radio Sauvage 88.5, toujours plus proche de vous. Salut, bienvenue sur votre radio. Si vous êtes sur la route, sur la 88.5, soyez très prudent. En tout cas, nous sommes là ce matin, on sort les vinyles. Et oui, on rend hommage à ce grand monsieur Patrick Saint-Éloi. Donc ce grand monsieur, on l'appelle Crooner. Certains donc, pensent effectivement que c'est lui qui a l'origine même donc, du Zouk Love. On est là ce matin pour vous passer les vinyles. Et on va commencer, si vous voulez, par son tout premier album. Le tout premier album avec le titre Crier, composition de Georges Décimus. Écoutez ça. Comment ce grand monsieur de la musique Zouk, ce grand monsieur de la musique antillaise, était vraiment attaché aux radios associatives. Je me rappelle, et personnellement, il venait ramener donc ses produits directement au niveau de la radio. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Mais vraiment, donc comment il tenait vraiment à ce que les radios associatives puissent donc jouer donc le rôle donc concernant la diffusion donc de notre musique. Certains vont se demander, mais c'est quoi cet album? Et oui, c'est l'album Milton, album très rare. En tout cas, très rare, pardon. En tout cas, donc, en tant que collectionneur, j'ai tenu à avoir cet album et j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Album sorti en série limitée, mais je l'ai eu pour pas mal d'euros. Donc, ça fait partie de ma collection. L'album Milton, interprété par Patrick Saint-Éloi, bien avant, effectivement, donc son tout premier album qu'on a eu l'occasion d'écouter tout à l'heure. Allez, un extrait. Juste pour vous dire qu'on trouvait déjà Jean-Claude Nemo sous cet album. Une production de Dominique Blanc-Franca. Et je crois que c'était ça, Patrick Saint-Éloi. Je crois que ça, son amour pour le public, il l'a chanté. Et c'est pour ça que cette chanson Indéboulonnable, elle me touche énormément, parce qu'il est en train de nous donner une clé pour tous ceux qui voudraient exister à toujours, j'ai envie de dire, dans le milieu du zouk. Donc, peu importe ce que vous faites, je crois que c'est l'amour du public qui nous rend vraiment ce que nous sommes et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc ça, c'est formidable. Et c'est pour ça que j'aime cette chanson, parce que je crois que dans cette période qu'on traverse, qui est très particulière, c'est la chanson qui donne à tout le monde envie d'avoir ce petit sourire en coin dont il parlait dans sa chanson, qui donne envie à tout le monde d'exister et surtout de se sentir indéboulonnable, peu importe ce qu'on fait. Je crois que c'était un coach de vie exceptionnel en musique et en douceur. Et ça, c'est Patrick Saint-Éloi. Et cette chanson-là, Indéboulonnable, nous a montré à quel point lui-même, justement,
est devenu indéboulonnable parce qu'avec l'amour, on ne peut pas vous déboulonner. Mais non, parce que l'amour gagne toujours. Donc c'est ce que je trouve formidable. Et ça, c'est la chanson qui pour moi, symbolise ma rencontre avec Patrick Saint-Éloi, un homme indéboulonnable dans ses convictions, dans ses préceptes, dans son concept, dans tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il était surtout lui dans la manière dont il chantait, dans l'amour qu'il avait envie de partager. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est comme ça que moi, je me le représente. Et quand j'écoute cette chanson, que je me passe aussi souvent, je peux vous dire que quand j'ai fini de l'écouter, même pendant que j'écoute, je suis indéboulonnable. Ce n'est pas la peine d'essayer de me déboulonner. Impossible de me déboulonner. Patrick est là. Et avec cette chanson, ce qui est formidable, c'est qu'il parle à tout le monde. Il parle aux jeunes, c'est Guadadar. Il parle de la Guadeloupe. Moi, ça me touche. Je trouve ça formidable. Dans une chanson, il arrive à vraiment rassembler toute la Guadeloupe, mais au-delà, bien évidemment. Et parce que nous sommes une fenêtre du monde ici sur la Guadeloupe. Donc, c'est vraiment formidable. Et franchement, il n'a pas fait de politique, mais... Je pense qu'il aurait eu sa place largement dans tous les hôtels de ville de la Guadeloupe. On aurait eu un seul maire pour toute la Guadeloupe. Ça aurait été lui et il aurait été indéboulonnable. Là, c'est sûr. Et voilà, là, nous sommes en 1992, mes chers amis. Et là, donc, l'album réalisé par Frédéric Caracas. Mais là, on a un intro. Donc, un ami, donc, Jocelyn Virapin du côté de Capesterre. Donc, Bélo, qu'on salue, qui est au cas. L'attachement de Patrick Saint-Éloi avec le cas aussi, ça, c'était quelque chose. Un magnifique album, 1992. L'album Bizouk. Album réalisé, je rappelle, par Frédéric Caracas et Jean-Claude Nemo, s'il vous plaît. Et oui, et sous cet album, on a donc un titre, Jackie, hein, donc, parce que Patrick Saint-Éloi était fan de Jacques Braquemore à l'époque. Jacques Braquemore, décédé en 1969, crooner à l'époque. On peut dire aussi que Patrick Saint-Éloi, avec son tout premier album par exemple, il a changé la donne parce qu'on était dans une musique où il y avait beaucoup d'hommes et avec des voix un peu radio, macho, etc. Et lui, il est venu avec une voix un peu suave, donc avec une musique différente. Et ça a beaucoup plu, notamment à la gente féminine, mais aussi aux jeunes de l'époque. Des fois nous joindre, finalement, avec Patrick Samba est très particulier. Cet album-là, il fait Baï Chabon. Allez, Baï Chabon. Baï Chabon a commencé par un MD. Doupak, 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 Doupak. Et frère, il a fait son tas, c'est Jocelyn Virapin. Moi, j'ai joué une partie que Jocelyn t'a demandé, moi, est-ce que je vais venir faire son tas là et puis, en l'album-là. Et puis, bon, évidemment, et puis, travail, moi, je ne vais pas aller. Pire encore, c'est que je vais faire concert. Je joue en concert et puis, je ne peux pas aller non plus. Mais en tout cas, quand tout le monde nous marque par les textes Patrick l'a marqué, nous, déjà moins nous sommes. Au niveau conscience, un texte qu'on réhabilitation, c'est un texte pour demain. Quoi, parce que les demain, yo kariba nous, ça yo doué nous, c'est-à-dire réparation et tout le reste, Patrick Saint-Éloi a déjà dit, c'est pas sous, ça pas fréquence. C'est pour ça qu'il y a dans Zouk là, parler des sujets comme ça. Pourquoi pas moi ce qu'on West Indies, pour expliquer ça nous y est, quoi, expliquer ça nous y est en pays. Pourquoi pas moi ce qu'on l'anglais c'est là, c'est philosophie pure d'un symbolique biblique qui a dit la langue c'est un petit organe qui a fait dégâts. Patrick Saint-Éloi l'a dit quoi. Après il bat nos zoukla qui pas moi il bat nous. Mais c'était surtout voix kabassa, mélodia et kamitea. Texte là, le texte, le contenu, c'est tout sur ça, Patrick Saint-Éloi. Et puis, on l'a remarqué, tout le monde ça, c'est simplicité nous-mêmes. C'est ça qui a fait grandir. Je vais profiter que nous avons parlé de Patrick pour voir un petit force bah, des frères qui étaient pays. Parce que nous ne pas. Là, nous avons dit Patrick Saint-Éloi, il faut nous dire Jean-Philippe Martelly. Pour moi, c'est des bouts qui étaient indissociables. Donc, nous avons pensé pour Jean-Philippe. Et puis, nous avons pensé aussi profonde pour Patrick Saint-Éloi. Qui jouait bien en pile, qui nous savent actuellement dans des difficultés santé, et moi qui a profité
dit l'en moi nous ni pour Patrick Lap dit ses frères là combien nous aimons aussi. En tout cas, pour résumer Patrick cette loi, moi dit qu'on nous toutes Patrick nous aimons, moi pas dit nous t'aimons. Patrick nous aimons et nous aimons en pire. Dix ans déjà que Patrick Saint-Éloi nous a quittés. Pour moi, j'entends ses chansons toujours avec autant de vie, comme s'il était là et il sera toujours là en nos cœurs. Patrick Saint-Éloi, un artiste pour lequel j'ai une grande admiration depuis ses débuts. Quelqu'un qui écrit, qui c'est profond. Ses textes m'ont toujours plu parce qu'ils évoquent chez moi la sincérité, sa simplicité, son humilité et sa générosité. Patrick Saint-Éloi, qui a donné ses lettres de noblesse à notre langue natale, notre langue créole, la poésie éternelle. Il a écrit, c'est une chanson honneur à la femme qu'il a su sublimer, mais c'est aussi sa poésie, sa façon poétique de surfer sur nos musiques, sur le zouk, entre autres, et bien d'autres rythmes qu'il a composé, sur lesquels il a écrit, des rythmes sur lesquels il évoquait aussi notre histoire. Patrick Saint-Éloi est beaucoup aimé en Guyane et on écoutera toujours. Je profite pour adresser toute ma tendresse à sa famille, à la Guadeloupe, à tous ses fans. Ah, je vous l'avais dit, hein, donc ce matin on sort des vinyles dans le Big Nostal Zouk. On est en 1994 avec ce titre « Qui Jean qui fait ?» Et si vous aussi, vous voulez écouter, réécoute un titre donc, qui vous a marqué donc, à l'époque des albums de Patrick Saint-Éloi, un titre que vous chérissez parce que vous aimez l'artiste, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 05 90 28 05 57. Vous êtes sur Radio Sofa et Altitude. Est-ce que c'est pas suffisant? La musique de Patrick Saint-Éloi, pour moi, c'est de l'amour à l'état pur. C'est de l'intimité. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il s'adresse à chacun de nous. Si ma copine était là, elle vous dirait, il s'adresse à moi. Et moi, je dis, ben, c'est marrant parce qu'il s'adresse à moi aussi. Il s'adresse à chacun de nous. Donc, je dis, Saint-Éloi, pour moi, c'est de l'amour à l'état pur. Vous voyez, des fois, quand je pense à lui, je dis, à côté, en bijouterie, on a le diamant. Ben, en musique, on a Saint-Éloi. Monsieur Ménéolope, c'est pour nous, hein, en Guadeloupe. Hein. Ah, pas en Guadeloupe seulement, en France. Ils ont un paquet de pour nous. C'est des mondes qui sont sérieux. Zéro faute. Alors, si on boucle ça pour nous respecter et pour nous mettre, image à même, faut placer un côté pour nous voir. Avant de pointer pour mettre là, voilà les grands vélos. Je mets les grands vélos, puis ça nous demande ça baille. Mais il faut nous mettre sur côté pour nous voir ici. Pour si nous voir ici. Il ne peut jamais mort. Mais c'est pas mort. Hein. Mais c'est pas mort. Je ne sais pas, pas moi. Si on me dit mort, je sais ça. Alors, Patrick Saint-Éloi, c'est le monsieur là qui m'a donné le goût d'aimer le zouk. Il était la voix sûre de Kassav. J'aimais beaucoup son charme et surtout sa communication avec son public. Même étant aux côtés des grandes voix telles Jocelyne Béroard, Jacob Desvarieux et les autres du groupe, et quand Patrick prenait le micro, il avait forcément un impact sur son public. Il avait cette petite chose-là en lui qui était unique. Il l'avait unique juste pour lui seul. Et moi, mon plus grand souvenir, c'est de l'avoir vu sur scène au palais du 4 août à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était dans les années 86. Et je l'ai même touché, je l'ai touché comme ça, quoi. Et le monsieur, il se laissait carrément à son public et tout le monde criait « Patrick, Patrick ». C'est vrai qu'il y avait les autres leaders aussi, mais lui, il avait quelque chose de très spécial. Il avait un truc unique.
Aujourd'hui, vraiment, quand j'écoute ces chansons, j'ai la nostalgie parce que c'était un monsieur tellement humble. Et on sent à travers ces chansons l'amour, l'amour. Et j'avoue que quand j'ai commencé par écouter la musique, j'étais plutôt fan de la musique zaïroise. Mais lorsque j'ai découvert la voix de Patrick, et j'ai dit ça y est, je me suis retrouvé. Et voilà, c'est ça. Nous sommes en 1986 au Cameroun et j'y suis en mission pour le lancement de la CTV Télévision Nationale du pays. La scène se passe à Yaoundé, hôtel des députés. Je suis assis au restaurant et j'entends une voix qui me dit « Qu'a fait-il mal ?» Je me retourne, c'était Patrick Saint-Éloi. Le groupe Kassav venait d'arriver et logeait dans le même établissement que moi. Et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Le premier album Martelois venait de sortir. Et la première collaboration que j'ai eue avec Kassav et plus précisément Patrick était le tournage du clip de Ola Oye dans les jardins de l'hôtel. C'est un clip qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Un soir, Jocelyne me parlait de ce titre et m'expliquait un malentendu qu'il y avait entre le public et la chanson. Pendant les concerts, les gens chantaient Siupati Eva en Kebaoku Eva. Alors qu'en fait, les paroles sont bien Siupati Eva en Kemopu Eva. Donc c'était assez drôle de voir que les gens pouvaient penser que Patrick pourrait chanter en Kebaoku Eva. C'était impossible. J'ai eu l'occasion de faire quelques clips, donc Kijan Kefe, qui était un peu une déclaration d'amour à l'Afrique, avec un décor un peu animiste et des étoffes d'Afrique. J'ai fait aussi Excusez-moi, qui est le dernier clip qu'il a fait de son vivant. Et à titre posthume, j'ai fait le clip Éloi avec des photos. C'est un titre qu'il a fait avec le groupe VIM, Very Important Mass. C'était toujours des tournages spontanés, c'était pas des grosses productions. C'était vraiment, nous avions des coups de cœur pour des morceaux et je ne sais pas comment ça se faisait, mais on trouvait toujours l'opportunité de pouvoir tourner et réaliser ces clips. C'est un peu à l'image de celui qui a été tourné lors d'une émission que nous avons faite à la Martinique pour la télévision Télé-Martinique à l'époque. Lors de la sortie de l'album Diffé, qui avait d'ailleurs une superbe pochette de Michel Boucandé, nous avions tourné dans la baie du Robert et sur le chemin du retour, à la demande de Jean-Pierre Augustin, paix à son âme, nous avons mis le titre Silence, qui a de magnifiques paroles qui sont faites de notes de musique comme blanche, noire, soupir, pause, silence. C'est à la base, c'était juste un extrait d'émission et c'est devenu un clip. Et même le clip Testament musical, parce qu'il a été diffusé en boucle lors du décès de Patrick avec date de naissance et date de départ. Et lors de la sortie du clip, le jeu consistait un peu à deviner qui est ce fameux regard féminin que l'on voit, même si Zéa baissé ne peut pas couillonner moins. Et ce sont les yeux d'une chanteuse très célèbre que Patrick appréciait beaucoup. Cette session remonte en fait à 2002. Cet intérêt, après tout ce temps, en dit vraiment long sur la marque qu'a pu laisser Patrick Saint-Éloi dans le cœur de ses fans et aussi tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir le côtoyer. Si j'avais pu imaginer une telle postérité, j'aurais sûrement amassé et enregistré bien plus de souvenirs à raconter aux générations futures. Il me reste plutôt une impression générale de grande douceur qui était due un petit peu à la température qu'il faisait, puisque c'était il faisait un petit peu à cette époque-là, c'était à la même époque, il faisait à peu près le même temps qu'il fait ces jours-ci à Paris, c'est-à-dire l'été indien, avec cette impression que l'été se prolonge, c'est vraiment très, avec des températures très très agréables. J'ai vraiment un souvenir de ça, d'un moment où il faisait bon vivre à Paris. Et aussi une grande douceur due à la personnalité même de Patrick Saint-Éloi.
On a cependant commencé en fait en studio, chez moi dans mon studio photo, pour faire les images qui sont ensuite devenues la pochette de l'album Swing Caraïbes, mais aussi plus tard de La Légende. Et en fait, donc on faisait ça chez moi en intérieur, et je me souviens que Patrick était un vrai fan de musique, pas juste de la sienne. Il adorait découvrir des nouveaux sons. Je n'arrêtais pas de lui faire passer en boucle les disques de timba que je venais juste ramener de Cuba, donc la timba, la salsa cubaine des années 90. Je lui faisais écouter toutes les nouveautés que j'avais pu récupérer là-bas pendant mon séjour. Et le photographier pendant qu'il écoutait de la musique permettait un peu de briser sa timidité et moi de pouvoir espérer capturer des expressions de lui plus naturelles, plus vraies. Et donc voilà, le souvenir que j'ai de toutes ces photos donc, qui ont servi pour Swing Caraïbes et pour La Légende, comme de les avoir fait avec de la musique qui sortait à fond et lui qui rentrait dans le groove en même temps que je le photographiais. Même si on sentait en le photographiant, comme quand on pouvait le voir sur scène, que derrière ce calme et cette douceur apparente, il y avait quelque chose qui bouillonnait en lui, c'est ce contraste qui faisait de lui le chanteur qu'il était, comme le modèle très intéressant à capturer pour un portraitiste, parce qu'il y avait toujours cette dualité qui semblait être là entre le calme qu'il dégageait et ce qu'il pouvait faire passer dans ses yeux ou ses expressions de visage, où on voyait qu'au fond de lui, c'était quelqu'un qui était extrêmement voilà, bouillonnant et intense et très abrupt dans ses sentiments. Se sont vraiment resserrés à partir de 2005 lors de l'album Plaisir, parce que j'avais organisé un showcase au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Donc c'était le premier artiste antillais à chanter sur la plus belle avenue du monde. Et de là, en fait, j'ai vu un autre Patrick Saint-Éloi, parce qu'en fait, son fils était venu. Et j'ai vu son regard, j'ai vu aussi son entretien. Je ne suis pas resté très longtemps parce que c'était plus d'ordre privé, mais je l'ai vu et il était très anxieux, très inquiet dans le sens pour savoir si tout allait bien. Voilà, je pense que le fait qu'il a voulu arrêter sa carrière avec Kassav, donc il voulait se consacrer à ses enfants et j'ai vu ça dans son regard. Et donc voilà, et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2009, je crois, oui, 2009 ou 2008, c'était pour le Zoo Collection volume 2. Il était venu à la radio, j'ai vu un Patrick un peu plus fatigué, mais toujours fier de venir à la radio pour qu'on puisse parler de sa carrière et pour qu'on puisse parler aussi de l'homme, pour qu'on puisse parler de ce qu'il voulait. Et je me rappelle, il m'avait contacté auparavant, juste avant la sortie du Zoo Collection volume 2, parce qu'il cherchait deux titres, Doudou Créole et Milton. Je lui avais donné parce qu'il comptait faire une reprise des chansons-là, qui était assez rare, parce que ces titres-là, il faut savoir qu'ils sont sortis avant l'album Music Sailor Moon en 1982. Et bon, ça s'est pas fait, malheureusement. Donc voilà, normalement, ça devait se faire peut-être sur le Zoo Collection volume 3, mais bon, la vie en a décidé autrement. Et je garde. Pour moi, Patrick, si je dis Patrick Saint-Éloi, je dis sensibilité, je dis authenticité, je dis héritage, je dis gros cas. En fait, pour moi, la chanson qui pourrait bien définir Patrick Saint-Éloi, c'est En Bachena. Parce que En Bachena, pour moi, c'est la définition du zouk. Et sans oublier ce qu'il s'est fait avant. Les zéniths, quand il y avait les concerts, Patrick était quelqu'un qui était très sollicité, mais qui aimait aussi rester un peu seul ou se mettre un peu sur les côtés et tout.
ce que moi aussi je faisais, parce que j'étais tellement heureuse de participer à la grande aventure Kassav, que quand j'avais fini de travailler ou quoi, habiller les filles, je me mettais toujours un peu en retrait pour regarder la machine Kassav se faire. Puis un jour, il me dit « J'aime bien ton style, t'as vraiment un style à part. » Et il me parle de ses stylistes, des gens qui l'habillent à l'époque, de ce que lui s'est inspiré des années 80, donc avec tout ce que ça comporte, hein, la grande machine de Quincy Jones et tout. Donc il me parlait un peu, il disait qu'il était habillé par-ci, qu'est-ce que je pensais ? Bon, moi j'étais très timide, je venais de rentrer dans tout ça, il y avait des choses que j'avais envie de lui dire, ben moi je te vois comme ça, j'aurais enlevé ça, j'aurais mis ça, mais j'osais pas, c'était Patrick Saint-Éloi. Et donc moi j'étais très sage, je dis ben oui, mais de toute façon tu sais toi, il te suffit de pas grand chose parce que tu brilles tellement, que tu as une super belle voix, et que... Il me dit, tu es quelqu'un... Allez, tu m'as répondu, tu m'as fait une pirouette, ouais. Alors je lui ai dit, ben, y a pas de souci, je vais te faire quelque chose. Effectivement, j'ai passé toute une nuit, parce que les Kassav à l'époque, c'était une semaine, 10 jours de concert de Kassav. Donc j'ai passé toute une nuit, je suis rentrée le soir, jusqu'à 5h du matin. Et je lui ai fait une veste. Et quand je suis arrivée au concert, je lui ai dit, voilà ta veste. Il m'a dit, non Patricia. Elle était déjà dans ton armoire. Je fais non, Patrick, je l'ai fait hier soir. C'est comme ça que je te vois. Il a mis la veste, m'a dit waouh, c'est super et tout. Et puis, bon, je pensais qu'il allait la mettre sur le soir même. Il l'a pas mise. Ça m'a pas. Je me dis bon, il l'a pas mise. Après le concert, il me dit j'ai pas mis ta veste parce que c'était pas le bon soir. Mais un jour, tu verras, je la mettrai et je t'appellerai quand je la mettrai. Et à chaque fois que je rencontrais Patrick dans les concerts, tout ça, il me faisait un clin d'œil en me disant, j'ai ton blouson toujours. Et moi, j'avais dit, oui, je sais. Donc, c'est vrai qu'on a un lien qui est ce blouson, qui est ce lien en même temps de notre spiritualité, parce qu'on parlait beaucoup de spiritualité. Et ce lien entre nous a été jusqu'au bout, parce que pour la petite anecdote, quelques années après, j'ai un seul enfant, une fille. Elle est née le 20 octobre, comme Patrick Saint-Éloi. C'est surtout ça, c'est que là, à un moment, on a parlé, pour lui, après leur mort, c'est pas Tibet. Hein. Ah non, je pense qu'il était la quintessence même de toute son œuvre. Voilà, c'était la quintessence de toute son œuvre. Au moment où je l'ai vu, pour moi, il était, vous savez, comme Moïse qui montait sur la montagne et qui est redescendu avec tellement de sagesse et tellement de la gloire de Dieu qui rayonnait, eh bien pour moi, il rayonnait. Il n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Toute son œuvre, il était auréolé de toute son œuvre, de tous ses tubes, de tout l'amour qu'il a partagé avec tout le monde, de toute cette inspiration, parfois divine même, si ce n'est tout le temps d'ailleurs, et qu'il a pu décliner pour les hommes, les femmes, les personnes, les cheveux gris, nos gangans, nos anciens et tout. Notamment, je parle à la chanson Belle Maman Créole, quelle belle chanson pour rendre hommage aux femmes. Non, vraiment, il était la quintessence de toute son œuvre. Le lien parfait de l'amour. Il était là devant moi, me disant de ne pas laguer. Voilà, pas laguer, grand maître là, pas laguer, bandier. Et c'était ça son message. Et je crois que c'est ce qu'il disait, en tous les cas, à qui voulait l'entendre, que ce soit dans les couloirs ou bien aussi en interview. Je crois qu'il était très libre et très à l'aise pour dire cela. Et ma foi, c'était là encore une question de foi. Et plus d'une fois, je me repassais et je me dis, il a totalement raison. Et c'est vrai. Merci Patrick. Allez, Radio Sofia Attitude vous remercie beaucoup. Hein. On était dans le Big Nostalzouk by Pipo Song avec spécial Patrick Saint-Éloi. On a sorti les vinyles donc ce matin afin de vous faire plaisir, afin de réécouter peut-être, d'écouter des titres que vous n'avez pas beaucoup entendus. Allez, faites comme moi, donc collectionnez les vinyles, collectionnez les albums de Patrick Saint-Éloi si ce n'est pas fait encore. Il existe des compiles, mais c'est toujours bien d'avoir le support vinyle, magnifique support avec pochette grandeur, voilà, donc A4, on va dire A3 même.
de belles photos de PSE. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui font ce travail de sauvegarde de notre musique à travers des collections remarquables. Merci à vous. Nous tous, nous avons un lien particulier à Patrick Saint-Éloi, parce que Patrick Saint-Éloi était un Guadeloupéen à la fois emblématique et très étrange. C'était un Guadeloupéen qui était enraciné dans la musique latine, qui avait une connaissance incroyable de la pop anglaise, qui avait un vrai goût pour la chanson française et qui se souvenait de toute la musique des Balgamoun, de toutes ces chansons sentimentales sur lesquelles nos ancêtres avait dansé, rêvé, aimé et pleuré longtemps avant nous. Et donc, chacun d'entre nous, nous avons peut-être une chanson, 10 chansons, une image, 10 images préférées de Patrick. Et indépendamment de l'homme privé que j'ai souvent rencontré, que j'ai souvent croisé, avec qui j'ai passé du temps dans des hôtels, des avions, des backstage, chez des amis, en Guadeloupe, en France, dans l'océan Indien, ailleurs. Indépendamment de tout ça, il y a une chanson qui me vient toujours et qui m'est toujours mémoire de Pointe-à-Pitre, alors que je sais bien que j'ai connu cette chanson quand je vivais à Paris. C'est « Direction ». Direction qui parle de la rue Frébault à Pointe-à-Pitre, cette rue de mon enfance qui n'a pas changé, cette rue dans laquelle tout a changé mais dans laquelle rien n'a changé. Et quand il parle de descendre la rue Frébault, de cette foule qui grouille, il y a à la fois quelque chose de tout à fait universel, parce que toutes les villes au monde sont comme ça, mais de tout à fait particulier à Pointe-à-Pitre. Pour nous, les Pointois, pour nous qui avons passé notre enfance à Pointe-à-Pitre, la rue Frébault, c'est une grande rue. Alors que quand on vit à Paris, quand on vit à New York, quand on vit dans un autre pays, on se rend très vite compte que la rue Frébault, c'est une toute petite rue parce que notre île est toute petite et notre plus grande ville reste une petite ville. Et là, Patrick a réussi à dire à la fois tout l'émerveillement que nous avons devant notre grande rue et qui est un émerveillement qui est partagé dans le monde entier, mais à dire aussi cette extraordinaire fraternité qu'il y a dans ce petit peuple, dans ce tout petit peuple qui est peut-être trop petit pour pouvoir vraiment se déchirer. Et c'est certainement ça qui est intéressant dans cette chanson de Patrick, c'est cette capacité à changer la focale, à être à la fois tout à fait pointois, tout à fait de la ville, tout à fait de chez nous, tout à fait même un petit peu provincial dans sa façon de voir le monde et de l'appréhender, mais en même temps avec une ambition extraordinaire qui faisait de lui l'égal de l'immense Guillermo Portavales, qui faisait de lui quelqu'un d'aussi important pour nous que Ray Charles peut l'être pour les Américains. C'était ça, au fond, Patrick Saint-Éloi, pour moi, pour chacun, pour nous tous ensemble.